Dans les années 20 du XXe siècle, un vent de folie se lève sur la photographie européenne. Les bâtiments photographiés par le Tchèque Funke penchent dangereusement. Il n'y a plus d'horizontale ni de verticale auquel se raccrocher dans cette photographie prise au Bauhaus par Moholy Nagy. Plus rien ne dit clairement si cette image d'un couple photographié par l'Allemand Umbo doit être vue comme ça ou comme ça. Cette rupture avec la bienséance photographique qui fait basculer l'ancienne ligne d'horizon, c'est ce qu'on appelle la nouvelle vision, une nouvelle manière de voir et de vivre. Commune aussi bien à Lux Fenninger et à ses étudiants jouant du banjo sur le toit du Bauhaus, qu'au nouvel homme socialiste photographié par le russe Rodchenko. Cette nouvelle vision est celle d'un monde à la fois industriel et urbain. Un monde de la vitesse et des machines, des lignes droites, des rails et des villes. Et chargé de mettre ce monde en image, voici venir le nouveau photographe. C'est le titre d'un livre publié en 1929, dans lequel le photographe allemand Werner Graf dévoile au grand public les secrets de la nouvelle photographie. Voici, explique-t-il, une photographie à l'ancienne, cadrée selon les règles de perspective des peintres de la Renaissance. Tout est droit dans cette image, qui correspond à ce que verrait un homme qui regarderait droit devant lui, comme le montre ce photomontage de l'auteur. Mais ce regard, poursuit Werner Graf, ne correspond en rien à notre vision d'aujourd'hui. Car le véritable homme moderne, le piéton de la grande ville, ne regarde jamais droit devant, comme le montre ce second photomontage, mais tourne sans cesse les yeux vers le haut ou vers le bas, toujours en mouvement, toujours en oblique. D'où l'on conclut que c'est la diagonale qui est la ligne par excellence de la modernité et de ses vertiges. À la page d'après, on apprend pourquoi l'homme des villes lève les yeux vers le ciel. C'est à cause des grands édifices qui l'entourent. D'où découle tout naturellement la première position favorite du nouveau photographe, l'objectif tourné vers le haut, ce qu'on appelle la contre-plongée. Elle permet d'exalter la grandeur des choses construites. Les grandes verticales des gratte-ciels photographiées par le Danois Knud Lundberg Holm ou des cheminées d'usine de l'Allemand Albert Rengerpatsch, sujet de prédilection des nouveaux photographes qui ne s'intéressent en revanche que très rarement à la nature, trop désordonnée à leur goût. Une exception notable, ces pins photographiés par le russe Rodchenko. Mais cela ne lui est arrivé qu'une seule fois. Et il a pris soin de préciser qu'en photographiant ces arbres, il voyait surtout les poteaux télégraphiques qu'ils allaient devenir. L'homme à la caméra tourne lui aussi son objectif vers le haut dans le film du russe Dziga Vertov, un ami de Rodchenko. Mais tout de suite après, il part à l'assaut des hauteurs. La caméra en position dominante, l'objectif tourné vers le bas, c'est ce qu'on appelle la plongée. Avec la contre-plongée, c'est l'autre position favorite du nouveau photographe. Paris, la place de l'Étoile en 1926, par la photographe allemande Germaine Krull. Une image spectaculaire qui joue sur le vertige. Mais elle donne surtout l'impression que l'on peut maîtriser la démesure de la ville, réduite par la position du photographe à la taille d'un jouet d'enfant. Vu de haut et de loin, tout paraît plus simple.
les différences individuelles s'effacent au profit de la vision d'ensemble, de l'ordre collectif. Même les bateaux du port de Marseille se laissent ainsi discipliner dans cette image de moholinage. La complexité du réel disparaît derrière l'abstraction. Photographiée par l'allemand Umbo, la ville de nuit, si imposante vue d'en bas, n'est plus qu'un jeu de forme et de lumière. Le russe Rodchenko, venu à la photographie par la peinture, redécouvre avec la plongée les charmes de la perspective raccourcie des peintres de la Renaissance. En rassemblant dans un même aplat des plans séparés en profondeur, celui de l'immeuble et celui de la rue, dans cette préparation d'une manifestation du 1er mai. Il ne s'agit pas pour lui d'une référence picturale, mais au contraire d'une preuve de l'absolue nouveauté du regard photographique, seul capable de capter sur un même plan la tête et les pieds de cette femme au téléphone, une étrangeté que l'œil humain placé dans la même position ne voit pas, car il recrée instinctivement la sensation de profondeur. Ces points de vue inattendus ont pour Rodchenko valeur de manifeste. Sortie de secours, 1925. Toute la peinture, écrit-il, est peinte à hauteur du nombril ou bien à hauteur des yeux. Il faut enlever ce voile du nombrilisme de nos yeux, photographier de haut en bas, de bas en haut, de tout point de vue excepté celui du nombril. Le Pionnier, 1930. On peut aller encore plus loin, plus haut. C'est la position extrême, la parfaite verticale, inspirée par la photographie aérienne qui s'est développée pendant la Grande Guerre. Vue ainsi, l'image la plus banale prend un air énigmatique. Seule la présence, probablement involontaire, de la pointe de la chaussure du photographe Lux Fenninger permet de comprendre que nous regardons tout simplement le haut d'un escalier. La plongée verticale inverse tous les repères. Dans cette image du photographe allemand Umbo, appartenant à une série intitulée « La rue inquiétante », les passants sont réduits à des points, tandis que leurs ombres semblent animées d'une vie propre, habitant leur monde à eux, celui de la chaussée dressée devant nos yeux comme un mur ou un tableau abstrait. La photographie scientifique ouvre encore d'autres perspectives amusantes et inconnues de l'œil humain. Une partie de cartes comme on n'en a jamais vu. Pour réaliser cette vision à 180 degrés, Umbo s'est servi de l'objectif fisheye d'un appareil d'observation météorologique qu'il a tourné ensuite vers des sujets plus familiers, comme cette autre image montrant la Potsdamer Platz. Un exploit technique, une façon d'élargir le champ de notre perception grâce aux propriétés optiques de l'objectif, d'une manière quasi indépendante du regard du photographe, dont on découvre la petite figure tout au bas de l'image. La science et la technique. La nouvelle vision célèbre l'âge de la machine, des robots et des mécaniques, la modernité en action, filmée par Ruttmann dans Berlin, symphonie d'une grande ville. La machine n'est pas seulement photogénique, c'est un modèle à imiter. Umbo collabore à ce film et conçoit pour lui servir d'affiche ce photomontage célèbre. L'homme moderne, armé de toutes ses prothèses, un appareil photographique à la place de l'œil. Cela aussi est nouveau. Depuis son invention, on demande à l'appareil photographique d'égaler l'œil humain. Maintenant, on demande à l'œil humain d'apprendre de l'appareil. Mais au-delà de la plaisanterie, la nouvelle vision a des fondements théoriques qui se veulent aussi rigoureux que le papier millimétré de cet autoportrait en surimpression
du constructiviste russe El Lissitzky. L'artiste en ingénieur, le compas dans l'œil. Pour les constructivistes, l'activité artistique est inséparable de l'activité révolutionnaire. En 1925, El Lissitzky met en page et en image des poèmes de Maïakovski appelant à la révolution, intitulés « Poèmes pour la voix », c'est-à-dire « Poèmes slogan ». C'est un concentré d'esthétique constructiviste. Des pictogrammes réalisés mécaniquement, des aplats sans nuance, une volonté d'être violemment expressif, échappant à la figuration réaliste traditionnelle. Et par-dessus tout, le recours à la ligne droite, la ligne fonctionnelle par excellence, dont les diagonales contredisent le format de la page, de façon à traduire les dynamiques révolutionnaires du contenu. Pour appliquer les principes constructivistes à la photographie, il suffit donc de trouver dans le vaste monde des lignes droites en diagonale. C'est ce que fait Rodchenko avec une de ses photographies les plus célèbres, l'escalier 1930. À la diagonale des marches d'un escalier s'oppose celle d'une femme portant son enfant. L'inclinaison de l'appareil crée la tension et donne à une simple passante l'allant d'une héroïne du cuirassé Potemkin. Mais le grand photographe qui est Rodchenko peut appliquer le même principe à un sujet qui n'a rien d'héroïque. Une jeune fille rêvant sur un banc. Les diagonales forcées par l'inclinaison de l'appareil déséquilibrent l'image. La jeune femme, le regard tourné vers l'extérieur, ne semble retenue dans l'image que par la trame des ombres d'une cloison en treillis. La photographie s'appelle la fille Oleika, du nom de l'appareil, quasi invisible, qu'elle tient dans ses mains. Le Leica, apparu en 1925, est à la fois petit, solide et rapide à mettre en œuvre. Rodchenko en fait son appareil de prédilection. Idéal pour cette gymnastique qui exige les nouveaux points de vue, il lui permet de créer des images déroutantes, parfaitement construites malgré l'horaire improvisé. Le chauffeur. Un reflet dans le phare chromé d'une voiture, le fichaille du pauvre, transformé en un véritable casse-tête spatial par la simple présence d'une pipe au premier plan, celle du chauffeur probablement. Avec ses photographies qui paraissent dans la revue Novi Lev, Nouvelle Gauche, Rodchenko veut enseigner à l'homme socialiste un nouveau langage, celui de la révolution visuelle qui va pour lui de pair avec la révolution tout court. C'est une pédagogie ludique, à peine provocatrice. Certaines couvertures sont conçues comme des devinettes. Le lecteur qui veut comprendre ce que montre par exemple cette image doit d'abord la faire pivoter à 90 degrés. Balcon en contre-plongée vu par Rodchenko. Balcon en contre-plongée vu par Moholy-Nagy. La similitude témoigne des échanges et des convergences entre Russes et Allemands. Les balcons, que Moholy-Nagy photographie à plusieurs reprises, sont ceux du bâtiment des étudiants du complexe du Bauhaus de Dessau, photographié aussi par la femme de Moholy-Nagy, Lucie. C'est le centre de l'avant-garde allemande, une école d'art appliqué où l'architecture et le design règnent en maître. Aux côtés de Gropius, de Kandinsky, de Bayer, Moholy-Nagy y joue un rôle majeur. Comme Rodchenko, il est venu à la photographie par la peinture, qui figure en tête d'un ouvrage publié au Bauhaus en 1925, Peinture, photographie, film. Un condensé de ses principes théoriques dont les orientations rejoignent celles des constructivistes russes. À une différence près, la formulation est totalement apolitique. On ne dit plus « dynamique révolutionnaire », mais « dynamique de la grande ville ». C'est le titre d'un scénario de film jamais tourné, mais soigneusement mis en page et publié dans le livre. Le mot qui revient le plus souvent, c'est tempo, rythme. Tension des lignes droites, les lignes du fonctionnalisme et de la modernité,
du tracé des rues et du trajet des machines. La dynamique de Moholy-Nage appliquée à la photographie. C'est essentiellement un travail sur la composition visant à créer une tension entre le rectangle du cadre de l'image et les diagonales qui la structurent. Rails, ombres, mouvements des personnages. L'avenue est déserte. La chaussée sans relief crée un fond neutre sur lequel les lignes ressortent avec encore plus de force. La dynamique, c'est aussi la recherche du déséquilibre. Dans une approche classique, le photographe Haussmann aurait dû attendre que le tramway, son sujet, soit parvenu au centre de l'image. Au lieu de cela, il va délibérément le décentrer. Le tramway, pris alors qu'il est tout juste entré dans le champ, a devant lui un grand espace vide dans lequel se projette le mouvement à venir. Le vide devient un élément de la composition. Dans cette photographie de la série La rue inquiétante d'Umbo, passée lui aussi par le Bauhaus, le vide occupe la moitié de l'image. Tandis que dans cette autre photographie, il s'installe au centre, repoussant dans les coins les humains et leurs ombres, les passants et le balayeur, chacun dans son monde, séparé par la chaussée et la diagonale du trottoir. Tailler dans le vif est une autre façon de bousculer les anciens repères. Un nu de Raoul Haussmann, 1927. Le corps est coupé par les bords du cadre, comme s'il avait trop d'énergie pour un simple rectangle. La coupure déréalise la pose et met en valeur le jeu quasi abstrait des formes, où le bras et la cuisse dessinent une nouvelle variante de la diagonale constructiviste. L'absence de repère finit par détruire la notion même de sujet. Dans cette photographie d'Umbo, intitulée Willy et Tania, on ne voit de Willy que cet œil unique qui semble être entré de force dans le cadre. Mais rien ne permet de comprendre le véritable sens de ce rapprochement troublant de l'œil ouvert et de l'œil clos, que chacun reste libre d'interpréter à sa guise. L'image ne cherche plus à raconter, elle ne veut littéralement plus rien dire. La fragmentation fait voler en éclats la cohérence de l'individu et du monde. La seule réalité qui reste est celle de la page et de l'œil du photographe capable de recoller les morceaux. Raoul Haussmann, photomontage, 1925. Hans Richter, Rhythmus, 1925. L'abstraction pure et simple est une tentation pour certains de ses photographes. Pour éviter la contradiction entre la rigueur constructiviste et le caractère hasardeux du réel, il suffit de se débarrasser du réel et de disposer devant l'appareil photographique plusieurs formes carrées, découpées dans un matériau rigide, éclairées de façon à créer une architecture de forme et de lumière, comme le fait le photographe tchèque Jaromír Funke dans ses compositions abstraites de 1924. Une autre abstraction d'un autre photographe tchèque, Jaroslav Rosler. Mais ici, il ne s'agit pas de papier découpé. Le triangle de lumière est celui d'un vasistas carré dans un couloir d'immeuble, coupé en diagonale par le mur du premier plan que le photographe a soigneusement cadré au bord droit de l'image. De même, cette splendide spirale photographiée par Germaine Krull n'est en fait qu'un simple escalier en colimaçon métamorphosé par le jeu des contrastes. Ce pouvoir de la lumière, Moholy-Nage l'a expérimenté dès le début des années 20 avec ses photogrammes, qui, comme les rayogrammes de Man Ray, sont des empreintes négatives d'objets posés directement sur la surface sensible. C'est une photographie à l'état brut, une pure écriture lumineuse, dit Moholy-Nage, libérée de toute fonction descriptive. Raoul Haussmann donne sa propre version du phénomène, en photographiant la lumière du soleil qui passe à travers le siège ajouré d'une chaise.
mais en regardant attentivement, on remarque sous la chaise un rectangle incongru. Il y a un truc. Le véritable motif projeté sur le plancher est bien plus terne. Haussmann l'amplifie en glissant sous la chaise une feuille rigide d'un matériau réfléchissant. Un autre effet de trame ajourée, encore plus banal. Une fenêtre, 1928, de Florence Henry, une ancienne élève du Bauhaus. Un jeu minimaliste de forme et de lumière, le dépouillement formel comme un moyen de se protéger du spectacle de la grande ville moderne, de son chaos et de sa confusion. Le cinéma, avec ses effets de mouvement et de montage, parvient à reproduire tout naturellement cet assaut d'images et d'impressions fortuites, ce regard accéléré et accidentel. Pour la photographie, c'est évidemment plus difficile, mais la nouvelle vision, fascinée autant par la ville que par le cinéma, cherchera à y parvenir. Ainsi, en 1931, le photographe lituanien Moiver, lui aussi passé par le Bauhaus, réalise dans son livre intitulé « Paris » un véritable kaléidoscope photographique qui parvient à donner l'illusion d'une image en perpétuel mouvement. Les techniques qu'il emploie, surimpression de plusieurs négatifs ou exposition multiple, se fondent avec les images sauvages que la ville produit elle-même, les reflets des vitrines et de l'asphalte, l'imbrication des silhouettes et des lignes. Le photomontage est une autre façon de rivaliser avec le cinéma. 1923, Métropolis. Un collage de près de 200 fragments de cartes postales et d'images trouvées, réalisées par le Hollandais Paul Citroën pour une exposition au Bauhaus. C'est ce que Moholy-Nagy appelle la méthode expérimentale de représentation simultanée. L'œil affolé du piéton a fait place au regard distant de l'esthète qui transforme le chaos de la ville moderne en une tapisserie soigneusement composée. L'œuvre connaît à l'époque un grand retentissement, mais c'est une rêverie. C'est ce que montre l'ingénieux Umbo, qui a eu l'idée de superposer le négatif de Métropolis à celui d'un profil de son ami Paul Citroën. Combinant photomontage et surimpression, il crée ainsi cet étonnant portrait d'artiste visionnaire capable d'avoir toute la ville future en tête. Car dans la nouvelle vision, il y a vision, projection imaginaire vers un avenir radieux. Cette croyance dans la modernité et dans le progrès caractérise la photographie expérimentale des années 20 tout autant que ses recherches plastiques. On la voit aussi bien dans le regard du communiste El Lissitzky, dans cet autoportrait de 1924, que dans celui de cette jeune femme pleine de dynamisme et de confiance en soi, photographiée par Moholy-Nagy en 1927, ou encore dans ce portrait optimiste de Lily Brick, photographiée par Rodchenko pour une affiche publicitaire destinée à promouvoir le livre soviétique. Mais cet optimisme ne résistera pas aux crises économiques et politiques de la fin des années 20. Le temps de la nouvelle vision est passé. En Allemagne, on parle maintenant de nouvelle objectivité. Une neutralité frontale incarnée par des photographes comme August Sander. La forme non plus au service de l'expérimentation visuelle, mais de la réalité du sujet dans toute son épaisseur. Au même moment, en Union soviétique, les nouveaux points de vue de Rodchenko sont publiquement condamnés comme un plagiat de la photographie allemande, une esthétisation bourgeoise de la réalité sans aucune utilité sociale. Il continue pourtant à photographier. Mais qu'aurait dit le Rodchenko des années 20 de cette photo de phoque dressée prise par lui dans les années 40 ? Peut-être que le pays du socialisme, écrit-il à cette époque, n'a besoin ni de tapis magiques, ni de feux d'artifice, ni de kaléidoscope.
Ni d'avant-garde, pourrait-on ajouter. Mais cela, Rodchenko ne l'écrit pas. Le mot est désormais interdit.